Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ces faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire des frères Horneck, alias les frères H, une famille de caïds à l'ancienne qui a régné sur l'île de France pendant une bonne quinzaine d'années? Les frères Horneck, c'est une histoire de clan et d'équipe basée dans l'Est parisien qui a étendu son réseau sur toute la France. Une implication supposée dans des affaires de braquage, raquettes, corruption, blanchiment ou encore trafic de drogue. Une famille dont la plupart des membres sont aujourd'hui en liberté et clament leur innocence. Retour sur l'histoire d'une famille insaisissable, dont la réputation s'étend bien au-delà de l'île de France. Les frères Horneck sont nés et ont grandi à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Issus d'une famille de gitans sédentarisés, les frères H vivent dans une famille de 4 enfants. Jean-Claude, né en 53, Sonia, en 55, Mario, en 57 et Marc, en 66. Et ce sont les trois garçons qui feront parler d'eux. On les appelle les Prales, frères, en argot gitan. Les trois frères donnent d'abord la main à leur père dans son travail honnête de ferrailleur. Mais au décès de celui-ci, au début des années 70, les Horneck changent de méthode. Vol, puis maquillage de voiture ou de deux roues, les frangins se placent également dans le sillage d'un parrain issu du même quartier, Claude Genova. Tout au long des années 80, les Horneck vont ainsi faire leurs armes dans le braquage et le vol en compagnie des grands noms du banditisme du nord-est parisien. Après quelques affaires ensemble, les H prennent leur distance vis-à-vis de Genova. Ils s'associent avec d'autres personnes avec qui ils ont grandi, des maghrébins et des gitans. Petit à petit, les Horneck se bâtissent une réputation dans le milieu. On leur prête un pacte occulte entre yéniches et arabes. À cette époque, la fratrie se spécialise dans le braquage, mais a aussi des parts dans les machines à sous clandestines ou encore des billes dans la cam. La légende raconte qu'au début des années 80, les trois frères qui viennent de gagner 6 millions de francs sur un coup avec Titi Pelletier, un fameux caïd de Montreuil, partent prendre le soleil au Sainte-Marie-de-la-Mer. Sur le trajet, ils se permettraient de braquer de nouvelles banques. Mais la véritable ascension des Horneck commence en 1989. Cette année-là, Genova, le parrain, est arrêté puis placé en détention pour un trafic portant sur plus de 200 voitures. Les frères H en profitent pour se développer. Ils font équipe avec de futurs grands noms du milieu parisien, Imed Moyedim, Dijo et Nordine Mansouri. Ensemble, ils reprennent les affaires de Genova. Mais cette prise de pouvoir va faire des vagues. En prison, le boss n'entend pas se laisser faire. Michel Thierry, un proche du clan Horneck, est tué en 1993. Son assassin est abattu en février 1994, suivi d'un complice, 4 mois plus tard. Le lendemain, ce sont des gitans proches des Horneck qui tombent. En pleine guerre, les frères ne ralentissent pourtant pas. Cam, machines à sous et nouveaux bracos leur sont imputés par la police. Ils sont même soupçonnés en 1993 d'une double attaque de transport de fonds Securipost à Saint-Ouen. L'une en mars pour un montant de 10 millions de francs, l'autre en juin pour 15 millions. Ainsi que le casse d'une société de transport de fonds à Bayonne le 23 août 1993 pour un total de 18 millions. En 1994, la guerre avec le parrain de Genova s'achève dans le sang. Celui qu'on appelle le Gros est en permission. Il quitte le bar de l'hôtel Concorde à Paris avec une forte somme d'argent liquide sur lui. Il est abattu de plusieurs balles de chevrotine sur le trottoir et décède à 43 ans. L'argent disparaît et les tueurs aussi. Malgré de lourds soupçons, les frères n'ont jamais été condamnés ni même inquiétés pour l'assassinat de leur ancien associé. Michel Ardouin, un ancien voyou et proxénète, racontait en 2006 que les Horneck se sont taillés une renommée parce qu'ils ont liquidé Genova. Ils ne laissent jamais passer une occasion de faire de l'argent. Après la mort du boss, les H réinvestissent l'argent des braquages de fourgons dans le rachat de bars, restaurants et boîtes de nuit. Ils deviennent les rois de la nuit de toute la région parisienne. Mais encore une fois, l'ascension du clan ne se fait pas sans heurts. Dans la nuit du 23 au 24 mai 95, deux boîtes des frères gitans sont plastiquées à Évry et Andilly, et un engin incendiaire est lancé à travers la vitre d'un restaurant du Perreux,
Mais le clan renifle d'autres bons coups et investit un peu plus dans le cannabis et la cocaïne. Les drogues sont en plein boom, impossible de passer à côté d'un marché aussi florissant quand on a les bras pour s'en saisir. La voie semble enfin libre, mais les Hornex découvrent un nouvel adversaire de taille en la personne de Francis le Belge. Le caïd marseillais est venu s'installer à Paris, et les deux équipes se disputent le contrôle du Triangle d'Or, un quartier du 8e arrondissement, où de jour comme de nuit, l'argent coule à flot. Boîte de nuit, bar à hôtesse, salle de jeu, le business est très lucratif et particulièrement convoité. La tension va monter jusqu'en 2000 et l'assassinat du Belge le 25 septembre. Le clan des Hornec est fortement soupçonné par la police, l'un de leurs proches est arrêté, mais sans preuve, les enquêteurs abandonnent ensuite leur poursuite. Les Hornec sont au sommet de leur pouvoir, on les dit de toutes les affaires. Recel d'or, trafic de stupes, blanchiment, raquettes ou encore braquage, le clan s'est imposé et semble n'avoir plus de rival. Mais leur réussite attire inéluctablement les enquêtes de police. Constamment surveillés, jusque devant leur domicile, les Hornec sont une priorité pour les polices d'Île-de-France. Perquisition, écoute, réseau d'indic, tout est fait pour les mettre à terre. Le 28 février 2008, Marc Hornec et son fils Franck, alias le Tchétchène, considéré comme l'un des plus dangereux du clan, sont visés par une opération de gendarmerie à l'île d'Adam dans le Val d'Oise. L'arrestation se déroule en douceur dans un campement gitan avec le renfort du GIGN et de l'Office central de lutte contre la délinquance. Marc Hornec, ainsi que plusieurs membres de sa famille, font l'objet d'un mandat d'arrêt pour vol par ruse sur des personnes en état de faiblesse sur la période 2000 à 2002. Ils sont soupçonnés d'avoir commis des vols avec armes en Picardie au domicile de personnes âgées, des vols de voitures haut de gamme, mais aussi la séquestration d'un couple fortuné dans l'Isère. À l'issue de sa garde à vue, Francky sera relâché. Il sera plus tard arrêté et condamné pour plusieurs meurtres à 24 ans de détention. Le 7 juillet 2009, c'est Mario qui tombe. Il est condamné à 7 ans de prison, assorti d'une peine de sûreté des deux tiers pour association de malfaiteurs. Le 28 mai 2010, la cour d'appel de Paris condamne Jean-Claude et Mario respectivement à 6 et 7 ans de prison contre 7 et 8 en première instance. Ils sont tous deux libérés sous le régime de la liberté conditionnelle à partir de décembre 2010, et celle-ci se termine le 13 décembre 2012. Mais en 2014, la justice rattrape une nouvelle fois la famille. L'aîné Jean-Claude est poursuivi dans le cadre d'une affaire d'enfouissement illégal de déchets façon mafia napolitaine. Puis en 2019, Mario est de nouveau interpellé dans une affaire de racket pour un montant de près d'1 million d'euros. Pourtant, aujourd'hui les trois frères Hornec sont tous en liberté. Pour sortir et obtenir leur remise en liberté, les frangins ont tous trouvé des emplois et affiché des airs de bons citoyens rangés des voitures. Mario a trouvé un emploi de régisseur dans un cirque. Marc comme forain. De son côté, Jean-Claude s'occupe de pigeons voyageurs. La famille serait aujourd'hui riche à millions, avec de nombreux investissements dans l'immobilier, des propriétés particulières et luxueuses en France et en Espagne. Souvent soupçonnés, toujours bien défendus et ayant sans cesse plaidé l'acharnement judiciaire et policier.